la nourriture des âmes. Mes enfants bien-aimés, paix et grâce soient à vous. Vous êtes ici assoiffés de foi et d'amour. Moi, je suis ici pour vous donner ce que vous me demandez toujours et qui est ordonné à votre salut éternel et à votre bien spirituel. J'aime les personnes qui demandent avec confiance pour elles-mêmes et pour les autres, même si elles se sentent indignes de recevoir des grâces en raison de leurs rares mérites. Vous souvenez-vous de ce que je répondis à cette maman qui venait me demander la guérison de sa fille? Je ne peux pas t'écouter, je dois d'abord rassasier mes enfants. Je voulais dire, toi tu n'es pas israélite. Mais celle-ci insista, c'est vrai, mais les petits chiens eux aussi mangent les miettes tombées sous la table. Elle comprenait cette femme, qu'elle ne méritait pas mon intervention, mais son humilité et sa confiance ravirent mon cœur, au point de m'obliger à l'exaucer. C'est ainsi que je voudrais que vous vous disposiez à la prière, pensant toujours aux autres qui sont vos enfants ou vos frères, et toujours avec des sentiments de profonde humilité et de foi. Vous ne devez pas faire comme ceux qui estiment avoir tous les droits, ou devoir supplier uniquement pour eux-mêmes sans penser aux autres. En outre, la confiance en ma bonté et en ma miséricorde est la clé qui doit ouvrir vos cœurs à l'espérance, comme elle est la clé qui force ma toute-puissance. Disposez vos cœurs à accueillir le Seigneur plus qu'à accueillir ses grâces, parce qu'ainsi vous manifestez votre amour désintéressé. Je vous ai fait cette allusion parce que je veux vous transporter en esprit auprès de mes tabernacles, maintes fois laissés à l'abandon et négligés, et où je suis dans l'attente d'entrer dans vos cœurs. Du soir au matin, du matin au soir, je vais, appelant auprès de moi des âmes aimantes. Je désire aider mes enfants à ôter de leur vie tout ce qui est mal. Je désire, en ces vignes du Seigneur que sont vos âmes, faire grandir les vertus que j'aime tant. Qu'est-ce que l'Eucharistie? C'est moi, le Fils de Dieu fait homme, qui s'est incarné dans le sein très pur d'une vierge née à Bethléem, crucifié sur le calvaire. Je me suis caché sous les blanches apparences du pain pour vous prouver combien j'aime la chasteté et la pureté. Je me présente comme du pain afin qu'il vous soit plus facile de me manger. Ne dites-vous pas, vous aussi, à vos enfants, pour montrer votre amour, « Je te mangerai ». Eh bien, moi, je vous dis, mangez-moi pour me prouver votre amour. Je veux être la nourriture des âmes. Comment vos âmes peuvent-elles vivre la vie divine si vous ne voulez pas vous approcher de moi et me recevoir souvent? Il y en a certains qui disent qu'ils m'ont toujours dans leur cœur, parce qu'en quelques phrases, plus ou moins sentimentales, ils disent qu'ils m'aiment. Mais comment peuvent-ils vivre de moi s'ils refusent de se nourrir de ma chair et de mon sang, que j'ai voulu laisser perpétuellement dans le monde pour être le secours, le réconfort, le compagnon des voyageurs qui avancent au milieu d'une mer traîtresse et dangereuse. Voilà pourquoi aussi une vraie dévotion mariale doit réaffirmer la prédominance de l'Eucharistie dans la vie du chrétien. L'Eucharistie est ma chair, qui est chair de Marie. C'est mon pain, mais c'est aussi le pain de la maman. C'est mon don, mais c'est aussi le sien. Aimez ce divin aliment et honorez-le. Que dans les églises ou les chapelles où se trouve un tabernacle, votre comportement soit respectueux et silencieux. Que vos belles communions soient une rencontre, un cœur à cœur avec moi et avec Marie, qui doit disposer vos cœurs à me recevoir et à me remercier. Qu'il est triste de voir beaucoup d'âmes qui s'approchent de l'autel sans un minimum de bonne tenue et de dévotion, et parfois combien peu de décence dans le vêtement. Et comme il manque de foi, le geste de ceux qui, après m'avoir reçu, ne savent pas dire un seul mot de remerciement, ne savent pas me tenir compagnie. Quand j'ai institué l'Eucharistie, je voyais dans le monde à quel point ce sacrement serait un objet de raillerie et d'incrédulité. Je voyais les outrages, les sacrilèges, les profanations. J'entendais les blasphèmes horribles lancés contre ce sacrement d'amour. Mais je voyais aussi la froideur et l'indifférence des soi-disant bons chrétiens, et c'était la chose qui blessait le plus mon cœur. Toutefois, j'apercevais au cours des siècles des âmes bonnes, qui faisaient de l'Eucharistie le centre de leur vie et orientaient vers elle
toutes leurs pensées et leurs sentiments, comme vers le soleil qui se lève le matin. Je voyais les martyrs de l'Eucharistie, et je voyais avec quel amour mes disciples, fortifiés par la communion quotidienne, sauraient affronter le martyre. Je voyais de faibles enfants défendre leur pureté au nom de ce Jésus qu'ils avaient accueilli dans leur propre corps. Je voyais des mamans et des papas fidèles à leur devoir au nom de ce sacrement d'amour qui avait uni pour toujours leur âme au jour de leur mariage. Je voyais des prêtres sanctifiés par ma présence en eux, des âmes généreuses qui affrontaient des difficultés de tout genre dans l'accomplissement de leur mission, uniquement parce qu'elles étaient fortifiées par ce pain céleste qui donne amour et force à tous ceux qui le reçoivent. C'est ainsi que j'ai institué le grand sacrement d'amour pour eux, pour vous, pour vos enfants, pour vos prêtres, et j'aurai tout supporté jusqu'à la consommation des siècles, pour vous aider dans l'accomplissement de votre devoir. Aimez-moi, mes enfants, et ne lésinez jamais avec moi si je vous demande que chaque communion soit préparée par des sacrifices volontaires. Je vous récompenserai ensuite pour chaque larme que vous me donnerez. Rappelez-vous toujours que je ne me laisse jamais vaincre en générosité. À Lourdes, lorsque le prêtre passe en me portant dans un ostensoir pour bénir les malades, il se produit souvent des guérisons miraculeuses, mais les plus importantes sont habituellement cachées. Moi, j'agis sur les âmes et les conversions, et l'acceptation de la douleur sont beaucoup plus nombreuses et importantes. Si vous voulez que j'agisse sur les âmes de ceux qui vous sont chers, venez me recevoir avec foi et amour. Les miracles de Lourdes se renouvelleront et se multiplieront toujours, là où je trouve beaucoup de foi en moi. Je vous bénis tous, un à un, et je vous attends comme des anges consolateurs auprès de mon cœur.